Ça va. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais le hajj, même si tu mets la barre, même si tu mets le khams, même si tu es un grand da'i, même si tu es un savant, alim, qui a sacrifié tout pour la science religieuse, même si tu fais beaucoup de prières surérogatoires, même si tu fais la prière de la nuit, même si toi, ma soeur, tu as un jilbab très long, tu as un sitar, tu te comportes bien avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, tu lis le Coran, tu pleures pour Allah azza wa jal, si tu fais du bien, tu donnes beaucoup d'argent aux pauvres, tu travailles beaucoup pour la communauté, le prophète alayhi salatu wa salam te rappelle que quoi? Tout ça, ça ne sert strictement à rien du tout. Si tu n'es pas bon avec ton père et ta mère. Le prophète alayhi salatu wa salam, il te rappelle que tout ça, ça ne sert à rien du tout. Si tu n'es pas bon avec ton père et ta mère.